Donc ils sont toujours là, les quatre verres. Voilà, j'ai mis le téléphone uniquement sur eux. Ils sont là. Donc le regard, ben oui, le regard, si vous soulevez effectivement le torchon, vous allez voir où est le vin, vous allez voir où est l'eau, le jus de fruits et le verre vide. Mais bon, ce n'est pas l'objectif, non. Alors, donc le regard, non, c'est loupé. On ne peut pas. Il faut que vous preniez le verre qui vous plaît. Ben, vous ne pouvez pas soulever le torchon pour le voir. Donc, il reste l'odorat. Ben non, vous ne pouvez pas non plus. Ou alors, si, au travers du torchon, pourquoi pas. Pourquoi pas vous essayer de sentir le vin, mettons, de sentir rien, peut-être, le jus de fruits, ou ça dépend s'il est pressé, du matin, ou l'eau. Ça, c'est une idée. Mais enfin, bon, c'est une idée. Alors, encore une autre idée, ben, vous pouvez prendre une paille pointue. Hein, et puis essayer de piquer le torchon et de boire. Ben voilà, ben il faut risquer de boire du jus de fruits à la place de vin ou de l'eau ou de boire rien du tout. Alors là, on est vraiment dans on est dans les cinq sens, là. On est dans quelque chose de très, très, très intuitif et très. Alors l'autre possibilité, c'est de passer la main. Alors là, on est encore plus dans l'intuition. Hein, de passer la main sur chaque verre et de ressentir est-ce qu'il est plein est-ce que c'est plutôt. Du vin, est-ce qu'il y a de la vigne, hein? Est-ce que c'est boisé, est-ce qu'il y a de la terre, là, est-ce que je suis plutôt près d'une source, oh là, je sens rien du tout, le vide m'appelle, ou alors, vous voyez des arbres avec des fruits, pourquoi pas, hein? Après tout, il y en a bien qui trouvent avec leurs mains de l'eau, donc pourquoi pas aussi trouver du vin et du jus de fruits, donc ça c'est une autre solution. Parce que, en réalité, voilà, mais ça, c'est vrai que les jeux d'HP, c'est pas très drôle. Hein, c'est ça, c'est. Faut savoir ça aussi. C'est pas forcément drôle un HP. C'est que, en réalité, quand il commence à vous parler du jeu, il n'a pas la solution. Donc forcément, ça étonne. Mais donc là, déjà, on a trouvé trois solutions possibles. Mais en fait, pour prendre le verre sans bouger le torchon qui vous plaît. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, il y avait la machine qui marchait. Peut-être vous mettez les verres à la machine, puis après vous les récupérez, vous ne servirez plus de torchon. Mais là, c'est une réponse de féminine d'HP. Donc là, c'est pire, parce que c'est ce qu'on disait au tout début. Non seulement il y a des HP, mais en plus, il y a des femmes HP. Donc là, elles ont un humour qui ne fait pas rire, mais qui en plus est très féminin. Donc là, on est dans le torchon qui, évidemment, ne va pas nettoyer, parce qu'il va y avoir une machine. Donc on constatera que, comme en plus. On n'est pas. On va pas quand même mettre du vin, du jus de fruits et de. Ben, il n'y a rien dans les verres. Donc de toute façon, vous n'avez rien perdu, quelle que soit votre réponse. Mais je suis sûr que vous allez trouver de meilleures solutions. À plus tard.